sur cette écoute d'une manifestation du Conservatoire de Cap-Atlantique. Christophe Avard, Patrick Joannick, Mylène Milot, Sylvie Noël, Emmanuel Violo, l'ensemble du personnel du Conservatoire de Cap-Atlantique ainsi que les services techniques du Centre Atanor. Vous allez aujourd'hui écouter les performances d'un ensemble de groupes d'élèves qui vont vous jouer leurs morceaux phares qu'ils ont travaillé cette année grâce à leur professeur. Nous avons le groupe d'Emmanuel Violo qui vous jouera aujourd'hui My Little Suede Shoes et Bluebird de Charlie Parker. Un autre groupe vous jouera ensuite Tajibone d'Ismaël Lowe et Jobas 2 et 9, une composition personnelle par Christophe Avard et Joseph.
D'écouter un groupe de jazz d'Emmanuel Violeau qui se compose de... Je m'appelle Jules, saxophone. Jeanne, pianiste. Lucie, pianiste. Manon, saxophoniste. Très bien, est-ce que je peux savoir depuis combien de temps vous jouez ensemble, depuis combien de temps vous êtes dans le groupe tous les quatre? Un an. Est-ce que vous vous entendez bien? Vous trouvez des bonnes chansons? Vous avez pu travailler ensemble? Ouais, c'est cool, ils sont tous sympas, puis il y a une bonne ambiance quand même. Puis les chansons, Emmanuel nous a proposé plutôt des sympas qui nous plaisaient tous, donc c'est bien. Par exemple, la chanson que vous avez jouée aujourd'hui, c'est vous qui l'avez choisie ou elle vous a été proposée par votre professeur? Non, elle nous a été proposée par notre professeur, mais c'est plaisant, donc c'est bien. Est-ce que vous avez toujours joué le même registre que ces deux chansons que vous avez jouées? C'est toujours du jazz ou parfois vous vous écartez un petit peu, vous testez des choses? Non, on joue vraiment plutôt beaucoup de jazz. Très bien. Maintenant, je vais vous demander, est-ce que vous faites de la musique? Est-ce que vous voulez continuer comme ça dans votre carrière? Est-ce que vous voulez devenir musicien professionnel? Non. C'est plus comme une passion à côté. Les cours en distanciel, comment ça a été pour vous? Est-ce que c'était facile ou compliqué? On ne pouvait pas jouer ensemble, donc c'était moins drôle, quoi. Donc ça vous avait fait du bien de vous retrouver pour jouer tous ensemble? Oui. Fayoni Bouki.
Bouki mom xamul ñorul dal musul mus bobu yeb donc sayu le bëgge dara da fay jaar ci Bouki pour né ko demal nga xol nga mëna jot ñambalé mais comme mom mu xamna ni bu démé dañ ko nara japp da fay yoni Bouki. Té Bouki bu démé mom du xalaat day dem rek dugg ci biir bu démé nak ñu japp ko buñ ko jappé mom si bopam day am problème légui lepp mom day taxaw fu soré rek di ko rétan parce que xamna ni mom kenn japp ko mais Bouki lolo tax Bouki dal musul musul benn yoon.
venez d'entendre l'atelier numéro 2 de jazz de Christophe Avar, composé de... Neil, saxophoniste. Laszlo, aussi saxophoniste. Valentin, pianiste. Joseph, contrebassiste. Et Neus, saxophoniste ténor. Je vais vous demander en premier, est-ce que vous pouvez me parler des chansons que vous avez jouées aujourd'hui ? Oui, bah alors donc on avait une chanson qui était chantée par donc la mère de Cécile, qui est une autre saxophoniste donc du conservatoire, et qui était une chanson d'Ismaël Lou, ainsi qu'une composition qu'on avait fait donc pendant le confinement. Donc c'était un projet, c'était une composition que vous avez fait tous ensemble. C'était pas un morceau original ? Non, c'est ça. C'est vraiment, on a chacun apporté quelque chose au morceau pour faire une composition originale. Vous avez parlé du confinement, en fait, de pendant la pandémie. Est-ce que je peux vous poser la question, comment ça s'est passé pour vous, les cours pendant la Covid ? C'était régulier, on les faisait tous les mercredis, comme d'habitude, mais il pouvait y avoir des problèmes, des fois, des problèmes de son, des personnes qui n'arrivaient pas à rejoindre. Donc, c'était différent, on va dire, et c'était perturbant parce que... On ne pouvait plus vraiment s'entraîner entre groupes à jouer les morceaux ensemble et en chœur. Donc, y avait vraiment une grosse différence de quand on jouait d'habitude. Et vous avez toujours eu le même registre ou vous avez essayé de changer un petit peu les styles de musique, les compositions peut-être ? On est toujours resté dans le style jazz, mais on a varié quand même beaucoup les morceaux. On est allé sur des classiques et sur des choses comme nous, ce qu'on a fait, une composition personnelle. C'est vous qui avez choisi de jouer ces morceaux ? Notre professeur nous propose plusieurs morceaux et on choisit entre les morceaux. Très bien. Par rapport à... Je pense que ça fait longtemps que vous faites tous de la musique. Est-ce que ça vient d'une passion familiale, qu'il y a des gens dans votre famille qui jouent de la musique depuis longtemps ? Alors oui, mon grand-père est violoncelliste depuis l'âge de 13 ans. Il en a plus de 80. Et mon père est luthier et sinon il est violoncelliste de base. Et donc oui, c'est quelque chose de familial vraiment. Donc j'ai été baigné là-dedans depuis tout petit. Donc je vous remercie d'avoir répondu à mes questions, d'avoir pris le temps de faire ça. Et j'espère qu'on va vous entendre bientôt dans les manifestations du conservatoire. Et au revoir. Le prochain groupe vous jouera Honey Dripper de Jolene Gings, ainsi que un rap composition personnelle du professeur. Honey Dripper! Little faster!
venez d'entendre l'atelier de Patrick Joigny et de Sylvie Noël, qui se compose de Jérémy, guitariste, Paul est guitariste, Louise, pianiste, Tristan, batterie, Camille, saxophone alto, Maxence, batterie, Yann, piano, mais normalement je joue de la batterie, Martin, batterie. Vous avez joué quoi ? On a joué Ozzy on a Driver, et la deuxième partie d'Ozzy on a Driver, ces deux parties sont ensemble forment un morceau. Super ! Vous avez dû arrêter les cours, ça a été compliqué pour reprendre ? Bah non, vu on les faisait en Skype vidéo. Et c'était facile ? Bah on peut dire oui et non, on apprenait les rythmes, mais on ne faisait pas les morceaux. D'accord. Vous êtes âgé de quel âge à peu près ici ? Entre 7 et 12 ans. C'est un grand écart, vous vous entendez tous très bien ? Oui, très bien. Vous êtes amis, vous rigolez bien pendant les cours ? Oui. Toi, Camille, tu joues du saxophone, c'est ça ? Oui. Si jamais tu devais convaincre quelqu'un de jouer du saxophone, tu ferais comment ? Bah, de dire que c'est un... Bah, déjà, c'est jazz, du coup, c'est beau. Toutes les doigtées, ça fait sympa, c'est sympa avec... Quand on joue du jazz, comme ça, c'est bien. Et toi, Maxence, t'aimes bien ton instrument ? Bah oui. Tu joues de quoi déjà ? Batterie. Moi, j'ai adoré votre morceau, et puis j'espère qu'on vous reverra bientôt pour vous entendre jouer, parce que vous êtes de super musiciens, d'accord ? Merci. Au revoir. Un groupe maintenant qui vous jouera Sur la vague et I Can Keep From Crying Sometimes. Thank you.
Cecilia? Ouais. D'entendre le groupe qui se constitue de Basile, saxophoniste, Tito, saxophoniste, Étienne, saxophoniste, Salomé, pianiste, Elliot, pianiste. Est-ce que vous pouvez me dire que depuis combien de temps vous jouez tous ensemble, tous les cinq? Depuis le début de l'année. Donc vous connaissiez pas avant? Non. D'accord. Et maintenant, on va parler un petit peu des chansons que vous avez jouées. Est-ce que vous savez qui a composé le premier morceau que vous avez joué? C'était fait par le groupe Ten Years After. Vous le connaissiez déjà, ce groupe? Non. C'est un assez vieux groupe, il jouait dans la fin des années 60. Très bon groupe. Vous avez fait les cours en distanciel de chez vous? Oui, mais c'était pas très très facile. Pourquoi c'était pas très facile? Parce qu'on pouvait pas faire le morceau ensemble et du coup, bah, c'était dur quand même. Mais du coup, vous étiez content de vous revoir, vous aviez pu jouer ensemble? Oui. Non, moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai écouté, franchement, votre morceau était très bien. Donc, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Et puis, c'est fini, voilà. Thank you.
Vous venez d'entendre le groupe de Mylène Milo et de Emmanuel Violo, composé de Titouan, batteur, Iris, saxophoniste, Emel, contrebassiste, Louise, piano, Suzy, batrice. Et vous avez joué quoi? Tu peux m'en parler un peu? On a joué Colchic, le blues que vous venez d'entendre. Et franchement, c'était vraiment bien. Et toi, tu apprends le piano, c'est ça? Oui. Et tu peux me dire ce qu'il y a de plus compliqué quand on apprend le piano? Bah, déjà, le plus compliqué, c'est le commencement parce qu'il faut bien mémoriser les notes, les noires, les blanches. Et après, on passe au morceau. Les morceaux, c'est facile quand tu connais les notes. Alors moi, pour moi, le plus difficile, c'est d'apprendre les notes. Et ça fait combien de temps que tu fais du piano? Ça va faire 2 ans. Est-ce que vous vous entendez bien dans le groupe? Vous êtes tous amis? Oui. Et vous aimez bien vos professeurs? Oui. Et toi, est-ce que tu peux me dire la musique, tu veux en faire ton métier? Pas forcément, mais c'est une passion. Et tu sais ce que tu vas faire plus tard déjà? Boulanger-pâtissier. C'est une super idée, tu m'inviteras? Et toi, tu veux devenir pianiste plus tard? Pas forcément, j'aimerais bien devenir pianiste, mais en même temps en chantant avec un micro. Je trouve que c'est une super idée. Donc je vais vous remercier, merci beaucoup de nous avoir partagé ça et d'avoir répondu à mes questions. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Estate de Bruno Martini. Adesso brucia solo con furore.
estate. Flying to the Moon de Frank Sinatra. L'atelier de jazz composé de Anna, qui fait du chant, Cécile au saxophone baryton, Colombe à la flûte traversière, Anis à la guitare et on a notre playlist Capucine. Super, vous pouvez me parler de la chanson que vous avez jouée ? Bah, y a Fly Me to the Moon et il y a Estate par Joa Gilberto. C'est vous qui l'avez choisi ? Non, c'est Manu, notre prof, qui a choisi, mais on était plutôt contents des choix. Ça fait quelques temps qu'on joue ensemble, du coup, au conservatoire, on s'est tous rencontrés là-bas. Et vous jouez tous depuis l'enfance ? Oui. Vous vous répétez toutes les semaines à peu près, pendant plusieurs heures ? Là, à cause du distanciel, maintenant c'est toutes les deux semaines. Vous avez un projet de groupe en dehors du conservatoire ou pas ? Tous ensemble ? Alors non, mais à un moment on a voulu le faire, mais on n'a pas eu le temps avec le Covid et le distanciel, ça a été compliqué. Justement, par rapport au distanciel, vos cours, ils étaient uniquement en visio tout le temps ? Alors, on avait des cours en visio quand le conservatoire était fermé. Et sinon, une semaine sur deux, c'était en visio et en présentiel. Bah, écoutez, merci beaucoup. C'était vraiment super. J'ai adoré vos musiques. Et puis, j'espère qu'on vous réentendra bientôt dans une autre manifestation du conservatoire. Merci. Au revoir, les filles. Vous abonner à la page Facebook du Conservatoire sur laquelle nous diffuserons les nouvelles informations ainsi que les annonces. Le site internet du Cap Atlantique sont disponibles à tout moment pour les informations. Les inscriptions au Conservatoire sont à partir du 21 juin en ligne. Le département de jazz propose des cours pour les enfants mais aussi des adultes, des auditions ou concerts tout au long de l'année qui mettent en scène les élèves du Conservatoire dans ou hors mur. Des concerts avec parfois des artistes professionnels invités qui conduisent des actions pédagogiques ou artistiques auprès de nos élèves, actions dont l'aboutissement est une restitution publique ou un concert. Merci beaucoup de nous avoir regardés, écoutés, et nous espérons vous revoir très bientôt dans une nouvelle manifestation.